Bonjour les amis, petite idée de DIY pour recycler ces pailles en carton. Alors j'utilise cette boîte, mais on peut trouver aussi des boîtes de cette marque de chips qui permet voilà, d'avoir une boîte à réutiliser. Et puis je vais avoir besoin d'un cutter, d'un stylo. Les pailles, je les ai achetées chez Action. Et voilà, c'est pour les recycler. Elles ont été utilisées. J'ai besoin d'un pistolet à colle. Voilà, je vais déjà commencer par voir la taille de la paille par rapport à la boîte. Et je vais couper un peu de la boîte pour raccourcir à la taille de la paille. Je prends le cutter et hop, je vais couper. Je vais faire tout le tour. J'ai mis du crayon tout autour. J'ai mesuré avant pour savoir à peu près ce qu'il fallait que je coupe. J'ai enlevé ça. Et je vais commencer à coller. Petit à petit, je vais mettre toutes les pailles, une par une. Voilà. Je change un peu de couleur, du bleu, du vert, du rouge, du gris. L'incroyable, c'est que j'ai assez de paille pour faire le tour du pot sans avoir compté. Alors, il y a exactement ce qu'il faut. Je peux vous dire que c'est vraiment plus sympa avec des pailles qu'avec des pics à brochettes. Parce que les pics à brochettes, je peux vous dire, je me suis pas mal, quand j'ai fait ce DIY, je me suis pas mal brûlée. Et là, c'est bon, avec les pailles, pas de soucis, ça roule tout seul. Alors voilà ce que ça donne pour finir. Je suis contente du résultat. Je vais mettre ce pot dans la cuisine et ça va me servir à mettre des ustensiles dedans. Voilà. Je suis contente du résultat. Ça donne de la couleur. Merci les amis d'avoir visionné. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, mettez un pouce. À bientôt. Au revoir.